de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien pour ma part. Je voulais aujourd'hui vous proposer cette vidéo pour parler un petit peu des phénomènes assez incroyables que l'on peut retrouver un petit peu partout aux quatre coins de la planète. Ce sont des phénomènes où nous voyons les animaux tourner en rond, formant donc des cercles. Et notamment, ce phénomène a été vu d'une manière prolongée, donc parce que les moutons ont duré... ont tourné en rond pendant un peu plus de 12 jours. Certains en sont même morts de fatigue. Donc on a un phénomène qui est quand même assez étrange, assez incroyable. Et aujourd'hui, on va essayer de voir à travers la parole du Seigneur eh ben, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux animaux, par rapport à la nature, qui doivent donc se manifester, selon la parole de Dieu, dans les derniers jours, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses incroyables. Vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. La Bible nous dit, ça a été créé par lui et pour lui. Donc en fait, il faut comprendre que tout est interconnecté dans le monde spirituel, mais aussi par les énergies. On a vraiment les animaux qui ont un subconscient incroyable par rapport à l'homme. Ils peuvent sentir des phénomènes incroyables se passer. Ils peuvent prédire. Donc des ouragans, ils peuvent aussi détecter des cancers, vous imaginez l'odorat, l'instinct qu'ils ont est vraiment incroyable. Ils peuvent même savoir parfois quand est-ce qu'une personne va décéder, à quelques heures ou quelques jours près. Ils ont vraiment un sixième sens que nous les humains, nous n'avons pas. Et c'est vraiment, vraiment incroyable. Donc on peut aussi se poser des questions par rapport à ça. Donc il y a plusieurs hypothèses. Hein. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche... toutes les classes d'animaux, c'est-à-dire que on a vu ces animaux tourner en rond auprès des moutons, on a vu également les cerfs, on a vu des insectes, hein, des chenilles, des vers, on a vu des fourmis, un écureuil aussi qui a tourné en rond, des poissons, hein, donc vraiment ça a touché les animaux divers et variés dans vraiment des endroits également dans le monde.
donc notamment en Russie et beaucoup d'autres pays. Donc ça a vraiment été, on va dire, dispatché. Il y a eu aussi la Yougoslavie, le Venezuela. Donc voilà, c'est vraiment aux quatre coins de la planète, hein. Donc ça, faut s'en rendre compte. Et il faut qu'on sache également qu'est-ce que la Bible nous dit sur cela. Qu'est-ce qui doit se passer, notamment au niveau des animaux. Il y a quelque chose qui doit se passer, vous allez le voir, à la fin des temps. Et ces animaux qui ressentent les choses sont aussi l'expression de quelque chose d'incroyable qui doit se produire. Donc ils annoncent aussi à l'homme, hein, ils annoncent à l'homme quelque chose d'incroyable qui doit se produire. Alors certains émettent l'hypothèse, bien sûr, pour sortir du surnaturel pour sortir tout simplement de tout ce qui ne touche pas la science, notamment la foi. Certains avancent l'hypothèse, bien sûr, que ça peut être dû à une bactérie. Mais alors là, franchement, la bactérie, chapeau, parce qu'elle touche vraiment les animaux différents aux quatre coins de la planète. Donc là, on est dans une infection mondiale, donc là, ça ne tient absolument pas la route, bien sûr. Et en plus de ça, on a également des scientifiques qui annoncent que ça peut être éventuellement dû aussi à des ondes électromagnétiques. Alors on a beaucoup entendu parler, avec notamment le Covid, de tout ce qui était 5G et compagnie, beaucoup de fausses hypothèses, hein, et on a des choses qui sont peut-être un peu vraies, mais beaucoup de bêtises aussi qu'on a pu entendre. Vous savez, en fait, l'homme aime bien mettre des choses sur des choses, enfin, aime bien mettre des mots sur des choses qui se passent, hein, mais... on sait qu'il y a de la manipulation dans les ondes, notamment les basses fréquences, hein, qui ont une influence sur le système humain et animal. Donc il y a aussi peut-être une partie de cela, mais il y a également, pour ma part, j'en suis convaincu, une grande part de spirituel. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ceux qui s'amusent à détraquer le climat, ceux qui s'amusent à magouiller dans le dos des gens, c'est cette élite vraiment sale et corrompue. C'est très bien aussi qu'ils servent Lucifer, qu'ils servent le diable de manière directe ou indirecte. Donc, ils vont aussi essayer de troubler les pistes. Ils vont pas... voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a des théories qui sortent comme ça de manière incroyable, hein. Mais parfois, ils veulent que ces théories sortent parce que ces théories viennent en fait tout simplement discréditer d'autres pistes qui sont beaucoup plus plausibles et qui sont la vérité. Hein. Donc il faut bien comprendre que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, son retour, c'est quelque chose que le diable sait. Et c'est quelque chose que le diable va t'essayer de cacher un maximum. Hein. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et d'ailleurs, n'oublions pas que toutes les loges de la franc-maçonnerie, tous ceux qui s'amusent à glorifier Lucifer secrètement, les élites, tout ça, il faut bien comprendre une chose, c'est que leurs pires ennemis sont les chrétiens. Ce sont vraiment leurs pires ennemis. Et c'est pour ça aussi que dans le corps de Christ, dans les gens qu'on peut appeler chrétiens, il y a une multitude de fausses doctrines, de faux enseignements, de gens qui sont corrompus, qui racontent des bêtises, de différents évangiles qui viennent dissoudre la parole de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, il y a autant de chemins. En fait, vous avez un gros chemin principal qui mène au ciel et le diable a créé dans ce chemin plein de petits chemins annexes qui vont distraire les gens et qui vont emmener les gens en dehors de la véritable doctrine, donc en dehors de la foi. Hein? Et il faut bien comprendre qu'à la fin des temps, la Bible nous dit bien que les gens vont abandonner cette cinq doctrines pour s'attacher à des doctrines de démons. Donc j'ai fait une petite aparté aussi pour bien vous faire prendre conscience que il faut aussi regarder avec les yeux spirituels, non pas les yeux charnels et scientifiques, parce que la science et l'homme auront toujours des excuses et bien souvent la science s'est trompée. Donc aujourd'hui, nous allons regarder à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que ces animaux font actuellement, parce qu'il faut que nous sachions qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que la Bible nous dit justement par rapport à la nature. Alors on va commencer par les passages les moins éloquents pour aller vers les plus éloquents. On va commencer donc par un passage qui est déjà vraiment, vous allez voir, quand je dis moins éloquent, c'est quelque chose aussi de, on va dire, de minoré, mais vraiment, vous allez voir que dans ce passage, déjà, on comprend pas mal de choses. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 19, versets 2 à 5, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en en forme un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. » Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à
toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente. » On voit dans ce passage que, en fait, que ce soit la terre ou le ciel, tout proclame la gloire de Dieu. Tout proclame la gloire de Dieu. Et on voit juste à la fin, leur voix, donc la voix tout simplement de l'étendue céleste, de la gloire de Dieu, parvient à toute la terre. À toute la terre et leurs accents aux confins du monde. Donc toute la nature, toute la création, la terre, les cieux, tout proclame la gloire de Dieu. Et on voit vraiment dans ce passage que l'ensemble, l'entièreté de l'univers et de la terre entière avec les cieux proclame la gloire de Dieu. Donc c'est quelque chose déjà qui est vraiment très puissant. On a également donc le psaume 104, 27 à 28. « Il compte sur toi tous ces êtres pour recevoir leur nourriture chacun au moment opportun. Tu leur la donnes, ils la prennent, ta main s'ouvre et ils sont comblés de bonnes choses. » Vous avez déjà remarqué combien la nature en fait arrive à s'auto-alimenter de manière assez incroyable en fait. Quand on observe la nature, c'est vrai qu'on est les seuls à se préoccuper en fait de qu'est-ce qu'on va manger demain. Les animaux trouvent toujours quelque chose à manger. C'est vraiment tellement bien fait. Et c'est Dieu qui nourrit chaque être. En fait, la création de Dieu, la façon dont Dieu a créé les animaux avec un ordre bien précis, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et les êtres humains, et surtout les animaux aussi, comptent, voilà, dans ce passage, on le voit bien, sur la nourriture que l'Éternel donne à chacun d'entre eux. On a un passage aussi qui est vraiment, là on rentre vraiment dans le très très éloquent, et c'est un passage que vous allez pouvoir retrouver dans le livre de Romains, au chapitre 1, verset 20, « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, donc l'entièreté de Dieu, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Donc en fait, ce passage nous montre aussi que quand on observe la nature, quand on voit la perfection, que ce soit les animaux, les plantes, les microbes, la microbiologie, toutes ces choses-là, nous pouvons voir à quel point Dieu est merveilleux, à quel point Dieu est présent dans tout ce qu'il a créé. Et même les grands scientifiques, comme Albert Einstein, disaient de façon très claire, un scientifique qui est honnête avec lui-même et qui observe la nature, l'infini de l'univers, ne peut pas dire qu'il n'y a pas une puissance qui maîtrise tout ça et qui contrôle tout ça à distance. Une puissance qui vraiment nous dépasse. Donc là, Albert Einstein avait avoué à demi-mot l'existence d'un Dieu, mais malheureusement, il devait se taire parce que, ben voilà, vous savez que automatiquement, quand on est mondialement connu, on a aussi la bouche qu'on doit laisser fermer. Donc voilà, c'est malheureusement encore aujourd'hui monnaie courante. Et on va terminer par ce dernier passage dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est vraiment le passage le plus éloquent pour montrer que, à la fin des temps, toute la création, la nature, les plantes, les arbres, les animaux, attendent avec quoi? Avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer dans la nature. Quelque chose d'incroyable, quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose, c'est la révélation des fils de Dieu. C'est vraiment la révélation des fils de Dieu, où tout simplement il va y avoir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Les fils de Dieu vont être dans sa présence. Il va y avoir l'instauration du règne du Seigneur. Et vous savez, la nature a été faite pour adorer le Seigneur. Nous sommes faits nous-mêmes, hommes, conçus pour adorer et glorifier notre Dieu. C'est notre Père en fait, hein. Et comme un enfant va donner à son père la reconnaissance et l'amour durant toute une vie, Dieu attend aussi cela de sa création, hein. Comme un père a procréé, il a créé ses enfants. Donc c'est aussi, voilà, on voit que la création tout entière, les animaux, les plantes, on voit dans ce passage de façon très très claire, qu'il est vraiment un passage extrêmement éloquent. Donc aujourd'hui, quand on voit tous ces animaux, moi je sais que... c'est quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer. On a vu aussi tous ces oiseaux qui sont un peu partout à travers le monde en émoi. Donc on voit vraiment beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions, beaucoup de puissance dans la nature actuellement. Et on voit également beaucoup de dérèglements.
Donc il y a beaucoup de choses qui sont anormales et inexplicables hein, par la science moderne, malgré tous les moyens que nous avons. Et on sait que spirituellement parlant, ça annonce clairement, je vous le dis chers frères et sœurs, ça annonce clairement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir que la colère de Dieu gronde. La colère de Dieu est comme un ouragan, un feu violent qui arrive à l'horizon. Les animaux le sentent. Et on sait que dans le royaume des cieux, il y a un tourbillon en fait qui se crée, un tourbillon d'anges, un tourbillon de musique, de louanges, de gloire. Ça tourbillonne, c'est incroyable. Et on voit dans différents passages de la parole de Dieu, toujours ces cercles qui sont faits dans le royaume des cieux, notamment le trône blanc avec les vieillards qui sont autour en cercle. Donc le système de cercle apparaît aussi comme étant un moyen de distinguer que la gloire de Dieu est en train d'arriver. Les animaux se rangent en cercle en fait. Donc vous avez tout ça mis bout à bout qui font que nous savons prophétiquement parlant que nous vivons la période de la fin des temps. Nous savons qu'aujourd'hui tout est accompli, que le Seigneur Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Il a bien annoncé également que nous pourrions distinguer les temps de la fin par rapport aux saisons, par rapport comme l'été, comme le temps des saisons, nous savons quand l'automne, l'été, le printemps arrive ou l'hiver. Donc nous savons aussi, nous enfants de Dieu, en lisant la parole, nous avons la connaissance et le Saint-Esprit nous guide à savoir en quel temps prophétique nous y sommes. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus revient donc en été. Nous sommes vraiment, tout simplement, au mois de juin. Nous sommes au mois de juin, l'été étant le 21 juin environ. Nous savons que nous sommes début juin. Le Seigneur Jésus est vraiment sur le point de revenir. Donc aujourd'hui, vraiment, tous les signes prophétiques sont accomplis. On a vraiment des signes dans les trois catégories que la Bible annonce, donc dans l'Église, dans également les enfants de Dieu, hein, mais aussi auprès des nations. Donc on voit que tout va de mal en pire au niveau des nouvelles mondiales. Et on sait que l'Antichrist est déjà dans le monde, on sait qu'il est sur le point de se révéler. Donc chers frères et sœurs, moi ce que je ne peux aujourd'hui que vous encourager à vous mettre en règle avec le Seigneur, à vous préparer, à vous fortifier, à entretenir votre esprit, c'est très très important. Et sachez que vraiment le Seigneur Jésus l'a dit, il est à la porte. Il est à la porte aujourd'hui et bientôt il sera trop tard. Donc soyons prêts, soyons des vierges sages, ne ratons pas cet enlèvement de l'Église parce que la colère de Dieu va tomber dans les 7 années qui suivront. Et personnellement, je n'ai pas envie d'être présent sur Terre. Donc faites de même, chers frères et sœurs. Je vous encourage vraiment à travers cette vidéo de vous mettre en règle. La nature nous l'annonce, les animaux nous l'annoncent. Tout la Terre tremble. La Terre est sur le point de voir l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Donc soyez prêts, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. Tout dépend à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la Terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus,
J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.